Ah oui, je me suis gouré, merde. Bonjour YouTube, ça va? Enchanté, reste 13 secondes. Ah ben je peux même pas faire ma... je peux même pas faire... Je me suis gouré de boutons pour lancer la... Oh merde, je peux même pas faire mon intro. Bon bah YouTube, Nintendo Direct sur le film Mario et puis... Oh la honte! Je me suis gouré de boutons! Oh non, bon c'est parti. C'est chose qui arrive. C'est pas grave. Allez, on y va. Quelle honte. J'ai appuyé sur le... J'avais pas appuyé sur le bouton lance l'enregistrement. Ce sont des choses qui arrivent. Nintendo Direct, Super Mario Bros, le film. Bonjour Miyamoto! Bonjour tout le monde, je suis Shigeru Miyamoto de Nintendo, je suis le papa de Mario, j'ai le plaisir de vous présenter le troisième et dernière bande-annonce de Super Mario Bros. Le film, papa. Vas-y, au fait, vous savez ce que le 10 mars représente, c'est le Mario Day. Oui, je le sais, merde. C'est le Mario, incroyable. Vous avez vu, c'est énorme, ça donne Mario. C'est pour cela que beaucoup l'appellent le Mario Day, autrement dit le jour de Mario. Vous le saviez pas? C'est énorme. Nous avons pensé que cette date serait parfaite pour révéler l'ultime bande-annonce. C'est pour ça que nous l'avons choisi, donc il y en a qui sont dans le futur. Il est encore le 9 mars dans certaines régions. Bonjour, c'est nous la région. Mais j'espère que ça change rien pour vous. En cette journée spéciale, je suis une nouvelle fois accompagné par Chris Meledandri et pas Chris Pratt. Bonjour Chris-san. Merci Miyamoto-san. Après 6 ans de labeur, Nintendo et Illumination, c'est le bloc Lego là, je vois, non? On a enfin terminé la post-production de Mario Bros. Le film. Près de 600 personnes, c'est énorme, ont travaillé sur le film et nos animateurs en France. On est trop fort. Ce film a poussé nos capacités techniques et artistiques vers de nouveaux sommets. Le son est encore un peu faible. C'est toi qui es un peu faible. Allez. Ce film a quelque chose à offrir à tous les spectateurs, peu importe où ils se trouvent et l'âge qu'ils ont. Mais je sais que les personnes qui suivent ce direct seront celles qui l'apprécieront le plus. Après cette bande-annonce, les réalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic se joindront à nous pour nous apprendre plus sur le film. Restez à l'écoute. Mais d'abord, allons dire bonjour à nos comédiens. Je suis très heureux de célébrer avec vous les frères Mario. N'oubliez pas que les frères Mario, il y a Luigi. Je suis le mec des Gardiens de la Galaxie. Bonjour, vous m'avez reconnu. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Et si vous voulez plutôt célébrer Donkey Kong, c'est aussi possible. Ou Toad. Non, c'est le Mario Day, pas le Donkey Kong Day. Attends, je comprends pas. Célébrer Luigi pendant le Mario Day, ça passe, mais pas Donkey Kong ou Toad. C'est le Mario Day. Et Luigi est un des frères de Mario, alors, hein. Je sais pas Charlie, je trouve pas ça très juste. Allez, Luigi peut pas avoir son quart d'heure de gloire pour une fois? Aide-moi Chris. Je reste en dehors de ça. Passons plutôt à Anya et Jack. Bonjour Nintendo Direct, Anya et moi sommes ici réunis pour prouver que malgré nos différends à l'écran, on s'adore dans la vraie vie. Exactement. Pour dire, on s'adore tellement qu'Anya a officiellement accepté que cette journée devienne le Bowser Day 2023. J'aime bien qu'il rigole de ça. Et ouais, le Mario Day c'est fini de rien. C'est bien la mise en scène qu'ils ont fait avec les acteurs, j'aime bien. On peut couper le passage où elle n'est pas d'accord. Moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Que tout le monde se calme. Disons plutôt que le Mario Day est pour tout le monde. C'est la première fois que Charlie-san et Keegan-san apparaissent dans un Nintendo Direct. Ils ont incarné Luigi et Toad à la perfection. Bien, il est temps d'appuyer sur le bouton start de cette nouvelle bande-annonce et on attend avec impatience la VF qui arrivera quelques quarts d'heure après. Oh putain, mais ça commence vraiment là! Non mais il est trop beau ce film, il est visuellement trop beau ce film, c'est abusé. Oh, y'a un Luma! Y'a un putain de Luma! Y'a harmonie dans le film, à la fin du film c'est sûr, y'a harmonie. Par contre, Luma il a des yeux tout petits. Ah non, ça va en vrai. C'est ouf. Ce soir, à partir du moment où Peach, elle a dit les galaxies, moi j'ai compris qu'il y avait harmonie. Oh, les Goombas, ils ont une tête trop stylée. Non, mais ce film, il va être trop fort. Bowser, je le sens trop bien. Quoi, Donkey Kong de feu? Quoi? Mais c'est quoi? Mais ce n'est pas canon, c'est canon maintenant. Donkey Kong de feu. C'est comme ça qu'il justifie qu'il est carte de Mario Kart. Mais il y a Mario Kart dans le film de ouf avec des carapaces, c'est trop bien. Oh,
Et c'est le kart anti-gravité de Mario Kart 8, hein. Non mais, ce film sur grand écran, ça va être une claquasse de ouf. Putain, le 5 avril, je réserve toutes les places du ciné, j'y vais. Mais qu'en avez-vous pensé? La version doublée de la bande-annonce sera diffusée après la présentation, merci. Non mais, ça va être une dinguerie, ce film. Une dinguerie, vraiment. Ce sont les réalisateurs, bonjour. Nous avons l'honneur d'être les réalisateurs de Super Mario Bros. Le film. Nous voulions revenir brièvement sur les images de la route arc-en-ciel que vous venez de voir. Dans Mario Kart, la route arc-en-ciel n'est pas seulement un circuit à couper le souffle, mais aussi l'un de ceux qui pardonnent le moins. En tant que grand fan de l'univers Mario, nous tenions à recréer la sensation de danger, à l'aspect et l'aspect épique de cette piste, mais ça va être trop beau. Nous avons aussi fait appel à des artistes spécialisés et travaillé en étroite collaboration avec Nintendo pour créer de nouveaux cartes qui semblaient venir du royaume de la jungle tout en restant fidèles au jeu. Nos artistes passionnés se sont vraiment dépassés. Nous avons amélioré notre technologie de gestion de la lumière pour que ce film surpasse tout ce que Illumination a pu déjà faire. Nous sommes fiers du résultat final et avons hâte de vous le faire découvrir le 5 avril sur grand écran. Une dinguerie, je te le dis. Si jamais il est en IMAX, c'est trop bien. Comme déjà confirmé par Kristan, la post-production est enfin terminée, le film est prêt à être diffusé. Il sortira en salle le mois prochain et est actuellement en cours de localisation pour différents pays. Dans certaines régions, la prévente des billets a commencé. Oh, il me met la pression là. J'espère que vous irez au cinéma avec vos proches pour encourager l'équipe de Mario. Et j'espère que vous avez hâte de découvrir Super Mario Bros. Le film. VF, on se tait. Ne lui prête point attention. Il a une bonne bouille, mais il est... Il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Bah, c'est trop bien. Tu le fais exprès ou quoi? C'est trop bien. En armée, mes coupards, mes combats, mais je sais pas quoi. Personne sait comment ça s'appelle. Je détruirai le royaume champignon. Il y avait une plante piranha. J'ai vu. Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ouais, ça va chauffer. Ça c'est fou ça. Ça c'est fou ça. Toi, tu l'auras bien caché. C'est marrant. Oh, c'est la charge... l'attaque rodéo de Mario. J'avais même pas remarqué. La charge au sol. Ah mais c'est trop bien. T'as vu quand il a sauté sur la tête du Koopa? Il a pris sa pose de Mario classique quand il saute, quand il rebondit sans le vouloir. Quelle dinguerie, mais quelle dinguerie. Mais quelle dinguerie, putain. Mais quelle dinguerie. Mais quelle dinguerie, qu'est-ce qu'on en pense le chat? Quelle dinguerie. Oh, le direct a duré 8 minutes, mais il en fallait pas plus, putain. Putain, mais je veux trop y être, là. Je veux trop y être. Oh là là. Il faut que j'arrive à savoir s'il sera diffusé en IMAX. Et j'y vais avant-première, là, à Montpellier. Odysseum, et c'est parti, quoi. Mais quelle dinguerie. Oh, putain. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. J'ai trop hâte. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas eu aussi hâte de voir un film au cinéma. Mais c'est trop beau. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a que du fanservice en mode, mais très subtil, en mode, ah ça c'est une rêve que certains auront, ça c'est notre rêve que certains auront. Faut vraiment connaître l'univers de Mario. Non, faut connaître l'univers de Mario pour avoir les rêves. Et ça me fait trop plaisir. Et mais visuellement, la claque. Mais visuellement, c'est tellement beau. J'avoue que les lumières... Ouais, merde, mais on m'aurait sorti ce film quand j'aurais été plus jeune, plus enfant, mais waouh. Mais peut-être j'aurais continué mes études, ma vie aurait changé, j'aurais été quelqu'un de meilleur, c'est sûr. La bombe, ah tu la vois pas, pardon, il y a une bombe en bas à droite, j'avais même pas vu, elle va péter. Putain, fou, vraiment, vraiment fou. Bon vas-y, je coupe la rediff YouTube si jamais, n'hésite pas à me donner ton avis. De toute façon là, on n'en aura plus, hein. On n'aura plus d'images, on n'aura plus rien avant le mois prochain que ça sorte. Mais il y a un putain de luma,
On va avoir Harmony dans le film. Ça me régale, ça. Ça me régale. C'est incroyable. Au revoir, YouTube. Des bisous.